Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes vendredi, il est 11h, c'est l'heure de notre séance de sport. Bougez chez vous sans bouger de chez vous. C'est l'intitulé qu'on donne à nos sessions de sport chez Sport Management System, en lien évidemment avec la crise du Covid-21. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière parce que nous avons beaucoup de participants étrangers de partout dans le monde. Grâce à mon réseau de judo notamment, entre autres. Et puis donc voilà, je vais parler un petit peu anglais selon mes capacités de le faire. Donc welcome to every countries in the world for this training camp, and I hope you are well. Welcome to Korea, welcome to Japan, ohayou gozaimasu, kamsahamnida, welcome to Germany, welcome to Sweden, welcome to Denmark, welcome to Scotland, welcome to Ireland, welcome to Canada, welcome to USA, welcome to Spain, welcome to Italia, and welcome to Switzerland, and welcome to Mongolia. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue évidemment à tous les Français qui me suivent ou nous suivent depuis quelques temps avec Stéphanie, qui la dernière fois a fait une séance de yoga. Voilà comment ça va se passer, je vous présente rapidement les petits appareils que j'ai mis en place pour voilà, faire un petit peu de travail technique sur ces modèles qu'on ne va pas utiliser volontairement. Là on a une échelle de rythme où on va travailler sur la coordination, la proprioception et aussi le renforcement musculaire, donc je vais volontairement l'enlever. This is some apparatus for training, but today and during all the cross-training sessions, we don't use apparatus because everybody don't have a hall for training in the house. Donc je mets les appareils en place sans pouvoir les utiliser. Ici c'est le tir à corps que vous connaissez avec une grosse partie de proprioception avec ici un vélo Kaiser, et si vous voulez vous faire livrer des vélos Kaiser, n'hésitez pas, contactez-moi et puis je ferai le relais auprès de Actech Pro, qui est l'importateur français pour des elliptiques, pour des vélos, pour tout autre appareil que vous voyez ici. Donc la séance va se composer de cette façon. On va démarrer par un test de Ruffier Dixon. We start with Ruffier Dixon test, et ensuite on va continuer sur la séance d'étirement, second stretching. Et troisième chose, on va enchaîner sur la partie mobilité articulaire, mobility and further cross-training activities. Voilà, donc bienvenue à tous. Je vais essayer de ne pas mélanger les pinceaux entre le français et l'anglais, peut-être un petit peu de japonais. Japanese welcome. Ish is stretching. Ni is mobility. And san is a cross-training workout. Voilà, donc on va démarrer sur le Ruffier Dixon, qui est un test qui va vous permettre, au fur et à mesure des séances, d'avoir des repères sur votre capacité physique. Je salue la présence du professeur Versier, qui sera là régulièrement sur nos séances et qui va répondre à vos questions, si vous le souhaitez, sur vos capacités physiques, sur vos résultats de Ruffier Dixon éventuellement, ou sur d'autres questions. Alors ne le submergez pas en dehors des séances ou après la fin des séances, mais pendant les séances, vous êtes les bienvenus pour poser des questions au professeur Versier, qui est un des plus grands chirurgiens sur la place de Paris, même sur le territoire national. Welcome to professeur Versier, who is one of the best surgeons in France, and he's now with us, and he will be to control some cardiovascular activities like Ruffier Dixon now. Ruffier Dixon, c'est un test qui dure 45 secondes avec un rythme de demi-squat qu'on va faire tout de suite. Mais avant ça, on va prendre le pouls au repos. Comment on fait pour prendre le pouls au repos? On va utiliser la pulpe des doigts, donc les 3 ou 4 doigts de la main. Ici, donc c'est 3 doigts, et on va utiliser la gaine qui se situe entre le tendon ici et le radius. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est mettre
la pulpe des doigts pour bien sentir le flux sanguin, ici le battement du cœur, au niveau de la carotide, au niveau du cou, sur le côté. Voilà, une fois que vous êtes placé, vous allez démarrer votre prise de pulsation cardiaque. Donc on va y aller, au bip, on démarre. Je vous conseille de vous mettre assis ou allongé. Et ensuite, on va multiplier le chiffre que vous aurez obtenu par 4, parce qu'on fait sur 15 secondes. Et donc ça fera un résultat sur 1 minute. On y va, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, vous multipliez ce chiffre par 4 et vous obtenez votre rythme cardiaque au repos. Maintenant, on va appeler ce chiffre-là F0. Et ensuite, on va passer au rythme cardiaque à l'effort. Et pour l'effort sur le ruffier Dixon, on va faire des flexions pendant 45 secondes sur le rythme que je vais vous imposer. Donc, je vais prendre le rythme qui est affiché sur mon ordinateur. Et puis vous allez faire des flexions en même temps que moi. Alors, attention. 3, 2, 1, c'est parti. On continue, il y a 3 bips. Deuxième. Et troisième, on va de suite prendre des pulsations cardiaques, soit au niveau de la carotide, soit au niveau du poignet. Attention, on va démarrer au deuxième bip. 3, 2, 1, top. Voilà, vous multipliez ce chiffre par 4 et on recommence dans 45 secondes, ce qui fera 1 minute de repos. Donc on aura 3 évaluations. La première F0 au repos, le rythme cardiaque au repos. Le deuxième, le rythme cardiaque à l'effort, juste après l'effort. Le troisième, le rythme cardiaque au bout d'une minute. Donc il reste 33 secondes. Encore un bip. Ok, on reprend les pulsations cardiaques maintenant, au bout d'une minute. Attention, ça va démarrer au deuxième bip. 3, 2, 1, stop. Ok, vous multipliez par 4 et maintenant vous avez 3 valeurs, F0, F1 et F2. Ces 3 valeurs vont vous servir de repère dans tous les efforts que vous allez faire dans les jours et semaines qui viennent et vous permettra d'évaluer vos progrès sur la récupération, notamment sur la troisième prise de pulsation et puis sur l'absorption de l'effort pendant l'effort. Donc ce qu'on appelle le F1, le rythme cardiaque qu'on a pris après les flexions. Ce test s'appelle Ruffier-Dixon. Il y a Ruffier de personnages, Ruffier et Dixon, et on a combiné les deux pour arriver à un calcul sur une valeur qu'on obtient avec ces trois indicateurs qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais vous avez au moins la base
pour votre évaluation physique. Bien, we start now with stretching after Reeve Dixon test. We take a towel. Everybody have a towel. This is the towel of London Olympic Games. It's mine. On va commencer sur les mêmes activités de stretching, stretching en étoile. We start for stretching by star around your knee and then mobility activities. On va démarrer sur cette position ici, comme d'habitude, comme on l'a fait sur les jours précédents, où on va avancer le bassin en avant. Et on tourne le buste sur le côté pour bien déverrouiller la ceinture pelvienne, la ceinture abdominale qui se trouve ici. On se redresse à nouveau, stand up, et ensuite on vient en arrière, we go back, and we stretch for the leg. On s'étire sur l'arrière de la jambe. Le matin c'est un peu plus dur que le soir, parce qu'on ne s'est pas forcément mobilisé beaucoup, donc c'est important de retrouver l'amplitude articulaire. Voilà, on va passer maintenant sur le côté. Alors je n'utilise pas volontairement les tapis, comme je vous l'ai dit, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait la capacité d'en avoir un. Si vous en avez un, vous l'utilisez. Si vous n'en avez pas, faites comme moi. We don't use a carpet because everybody don't have a carpet and I use only the towel. It's okay for me. Ok, on pose le genou ici. Et on ramène légèrement le pied, on pousse légèrement la hanche en arrière, doucement, sans forcer. We push the hip slowly back. Et maintenant, on va se mettre ici à quatre pattes et on va mettre le bras ici à 45 degrés pour faire un stretching de l'épaule. Shoulder stretching now. And you watch the opposite hand. Voilà, on va se redresser tranquillement et on va poser la deuxième main. Opposite hand, please. And we stretch the shoulder. Ok, number 6, stretching numéro 6, ici avec les mains tournées vers soi, on fait le gorille, like a gorilla. Ok, on va aller côté opposé, we go to on the opposite side. Number 7. You see the feet are up, not like this, like this. The hip is in the middle, not on the leg, here. La hanche est au milieu, pas sur la jambe fléchie. Voilà, on va se redresser. J'utilise toujours ma petite serviette qui me sert d'amortisseur. Et là, on va repartir sur le numéro 9, number 9, stretching exercises. Ok, on change, number 10, numéro 10, ici, avec une rotation sur la jambe opposée. Ok, là on va reposer la petite serviette, on n'en a pas besoin pour l'instant. We are going to start mobility activities with the arms, with the legs, with the hip, like judo warming up.
On va commencer la mobilité du haut, du milieu et du bas. Toujours pareil avec les quatre composantes, renforcement, proprioception, stretching et un petit travail cardiovasculaire. Pour le lien social, on l'a grâce à vous aujourd'hui. Donc on va commencer à bouger au niveau des bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Brakla Mongolia. On va tourner sur le côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamsa Amida, Korea. Ensuite, on va tourner sur le côté, ici, pour bien étirer les côtes. Doucement, on referme un petit peu les pieds d'appui. Et on relâche. Et on part de l'autre côté. Ici, toujours sur le plan sagittal. To stretch the ribs. And a little bit the hip. Deuxième fois. Et on part de l'autre côté. Ok, alors maintenant on va se mobiliser au niveau des jambes. On va travailler l'équilibre, la proprioception, avec toujours un exercice de coordination. Donc tous les judokas connaissent ce mouvement. On va faire la même chose, mais on va partir ici derrière. Comme ça, là, ici, là. On travaille toujours le haut et le bas pour commencer à échauffer aussi les épaules. On y va. 1, 2, 3, 4, on fait du patinage artistique, 5, figure skating, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, maintenant on va faire ça sur l'avant. Au lieu de passer la jambe derrière, on va passer la jambe devant ici. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez que ça chauffe au niveau des épaules. 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça chauffe plus au niveau des épaules d'ailleurs qu'au niveau des jambes. Maintenant on va faire la même chose avec un petit mouvement de judo, un balayage comme on dit, qu'on appelle. On va fléchir les bras ici, 45 degrés. Et on va accompagner le mouvement du bras, de la jambe, du côté du bras qui va accompagner cette jambe ici. Vous voyez ? On est en synchronisation avec la jambe ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va passer à quelque chose d'un peu plus compliqué maintenant. Toujours sur une jambe avec un balancier de la jambe qui est libre et puis une opposition du bras, comme ça, là, là, comme sur les appareils d'elliptique, vélo-elliptique ou elliptique pur, où on va se mettre en opposition entre le bras et la jambe. Donc cette jambe-là est bien ancrée au sol, bien fléchie, et on commence à tendre le bras et à retirer, tendre la jambe, pardon, et retirer le bras opposé, ici. 2, 3, vous voyez que le bras opposé vient sur l'avant quand la jambe avance. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe de l'autre côté. Donc toujours pareil, une jambe tendue vers l'avant et le bras opposé vient sur l'arrière. On inverse de l'autre côté. Ça y est, vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, on monte un petit peu plus, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors là, toujours un côté préférentiel, moi je suis droitier, donc je suis plus à l'aise sur le premier que sur le deuxième. Et puis c'est valable aussi pour tout le monde. On va passer sur l'avant maintenant avec toujours pareil, un travail d'opposition
pas de synchronisation, mais au contraire d'opposition entre le haut et le bas, ce qui va créer un petit équilibre. Normalement, vous le connaissez. Donc, on va passer la jambe devant. Pour les judokas, c'est comme un balayage, ici. Et on va mettre les bras ici à l'opposé. On va passer sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop là, 8, 9 et 10. Ok, on passe de l'autre côté. La jambe gauche est fatiguée, je passe sur la droite, il n'y a pas de souci. Là, on va faire pareil, jambe en extension, bras de l'autre côté, et puis on va faire ce petit balancier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donne-moi les gâteaux. On va enchaîner maintenant tous les mouvements qu'on vient de voir pour échauffer la partie cardiovasculaire. Donc on a fait le stretching. We start with the stretching. Second time mobility and now cardiovascular warm-up. Donc on va enchaîner tous ces mouvements pour faire un petit travail cardio avant de démarrer le fameux circuit maintenant que vous connaissez. Ok, we start with any exercises. All together. Premier exercice, donc on avait dit mobilité sur le côté, ici, là, 1, 2, allez, 3, 4, et on fléchit, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe sur l'avant ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fléchit les bras ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y aura une petite surprise. 7, 8, 9, 10. Little bit surprise now. Allez, 1, on se décale. Ici, 2, on se décale, on revient de face. 3, on se décale, on revient de face. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. J'avais dit qu'il y avait toujours des nouveaux exercices. Et on passe maintenant sur jambes opposées, jambes bras. Donc jambes sur l'avant ici, bras opposés, l'autre bras de l'autre côté, vers l'avant. Et on y va. 1, 2, 3. On tourne le buste. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on change. Jambes tendues. Le bras du même côté est en arrière et l'autre bras à l'opposé en avant. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on met la puissance. 7, 8, 9 et 10. On s'autogarie. Ça s'appelle. On va passer sur l'avant ici. Pareil, extension de la jambe. Ici, on met les bras en opposition et on balaye. 1, 2, 3, 4, on fléchit légèrement la jambe d'appui, 5, 6, 7, 8, c'est ça, 9 et 10. Vous voyez qu'on travaille le tenseur du fascia latin qui se situe entre la hanche ici et puis le haut du genou, au-dessus du genou. C'est un petit muscle qui est très fin, c'est une bandelette. Et qu'on travaille jamais. Donc là, ça permet de travailler ces petits muscles profonds qui sont très importants. Donc des fois, ça ne sert à rien de se regarder à la glace. Il vaut mieux travailler les muscles fixateurs des articulations dans son premier temps. Et puis ensuite, faire en complément le gros travail de musculation. 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Ok, on récupère un petit peu. La musculation, c'est à tout âge. La sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire, commence à partir de 30 ans. Donc il est important de se remuscler régulièrement pour compenser la fonte musculaire qui va poser des problèmes à un certain âge. Donc faire de la musculation, c'est pas un gros mot. Au contraire, il faut se muscler
à tout âge et c'est jamais trop tard pour commencer. On récupère un petit peu. Vous avez, j'espère, prévu votre petite boisson. J'ai fait le plein avant de démarrer, contrairement à la dernière fois. Un petit coup de gel hydroalcoolique. Et je vais aller vous voir. Alors bonjour à David Alert, 4 fois, pas 4 fois champion du monde, mais champion du monde du 4 fois 100 mètres, qui nous regarde, qui dit go parce qu'il a récupéré. Didier, Guillaume, welcome to Mongolia, welcome to Japan, welcome to Korea, welcome to Switzerland. Inès, si tu es là, fais le coucou. Et puis, welcome to Canada, Jean-Pierre Quentin. Welcome to Loretta, Loretta from Scotland, please. On va inverser l'écran. Voilà, et comme ça, je vous verrai, je pourrai vous surveiller en fait. Voilà. Gilbert est prêt à souffrir, le professeur Versier. One of the best surgeons in France, professeur Versier. Il est avec nous. Ça nous met en confiance. Merci, professeur, de votre présence et de vos observations. Voilà, on n'aime jamais la critique, mais c'est toujours intéressant si ça fait progresser. Passeport pour l'emploi qui est là. Bonjour, passeport pour l'emploi. Vous étiez un petit peu timide jusque-là. Et là, j'arrive à vous capter. Bienvenue. Donc, on va être prêt à souffrir maintenant. Vous avez tous bu. Everybody's ready now for the circuit. Cross training circuit, two exercises and four set. Okay, it's 12 exercises on maximum. We start for semi squat, like this. On va démarrer par les demi squats, toujours pareil sur des périodes de 15 secondes, et ça ne s'arrête jamais pendant 12 exercices qu'on va faire très progressivement. Alors vous le faites à votre rythme. Petite recommandation, si vous avez des problèmes de respiration, si vous avez des problèmes cardiovasculaires, une fatigue excessive, ou si vous n'avez jamais fait ce type d'exercice, faites-le à 50%. Si vous êtes entraîné, il n'y a pas de problème, quoique il faut le faire progressivement. Mais si vous avez des petites difficultés ou vous n'avez jamais fait ce type d'exercice, faites-le progressivement. D'accord ? Allez, on va démarrer. Alors tout le monde récupère 15 secondes, sauf Cécile évidemment, qui n'a pas besoin de récupération. C'est une machine, Cécile. Bonjour. Alors, on y va. Demi-squat. 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. Machine à squat, comme dans le métro de Moscou. On est déjà chaud, on a déjà fait cet exercice avec le Ruffier Dixon proposé par le professeur Versier. On récupère, ensuite on va passer aux abdos. Là, je vais mettre ma petite serviette ici. On se met déjà en gainage, on commence dans cette position. Au bip, on va démarrer sur les 10 derniers centimètres ici. Voilà. Avec le petit stretching derrière les jambes. Voilà, ça commence tranquillement, mais ce sont des exercices qui sont très importants sur la préparation physique. Des exercices que j'avais déjà utilisés pour des champions, des sportifs de haut niveau. D'ailleurs, bienvenue Teddy Riner qui nous regarde. Allez, flexion ici et extension derrière, soit sur les genoux, soit sur les bras. Ça peut être ici ou ici. Là. Là. Vous n'êtes pas obligé de descendre. Ok, on a fait le premier, maintenant on va passer aux navettes. Alors les navettes, c'est un travail de pas chasser, où on va aller toucher le sol de part et d'autre, vous voyez, entre les deux cônes qui sont ici. Allez. Toujours pareil, on descend avec les jambes. Les petits pas, on descend droit. Ok. Abdos.
toujours pareil avec ma petite serviette, on se met sur le dos, ici, et déjà on se met en position de gainage, comme ça, au bip, on va démarrer les rotations, ok? C'est parti, go! Allez, on se met en position de gainage. Ça, on va faire une pierre de coups. On se met ici en gainage et ensuite on va travailler bras-main. Et on est déjà dans la bonne posture. Corps tendu, bien placé, le bassin aligné. On y va. Ok, on a fait deuxième set. Ensuite, on va faire le travail de coordination avec le scale, l'échelle. Comme si on avait, we imagine the scale on the floor. Allez, c'est parti, allez. You can move on the right or on the left. Ok, on se remet en position, l'abdo, vous connaissez, we start now, no move, static position, on plie les jambes, on tend les bras, allez, interdit de poser les pieds, the shoes don't touch the floor, please. Ok, abdos rameurs. Maintenant, on va faire les push-ups décalés ici, là. Soit sur les genoux, soit ici. Ok, ou ici. Ok. Donc on a fait trois programmes. Last one, last row, four. Now the first is jumping jack. Okay, like this, or like this. Ok, on démarre. Allez. Petit travail de coordination. On récupère, on va passer maintenant au starfish. Starfish, l'étoile de mer. Ici, jambes écart, bras écart, et on va toucher la cheville opposée en gardant le contact avec la main opposée au sol. Il y a toujours deux appuis au sol, quoi qu'il arrive. Allez, on monte le buste, on va chercher la cheville, jambes tendues. Ok, starfish, maintenant je vais utiliser ce tapis et vous allez imiter ma position de main. One, two. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on revient sur 1. Et 2, ok. C'est abîmé, vous avez droit à une récup. Donc j'ai mis deux tapis volontairement aujourd'hui, comme ça vous avez votre tapis. Et puis j'ai mis un, hein, comme ça on peut faire les exercices de push-ups sur les mains en miroir. Mon chrono va se calmer. Allez, petite réhydratation. Après on va refaire le même circuit une seule fois. Mais le même circuit avec un peu plus d'intensité, de fluidité. D'accord ? Donc il n'y aura pas de, un petit peu moins d'explication. We are going to start the same circuit, but more quick and with more intensity. 15 seconds walk, 15 seconds rest. And continue, we continue until the 12 exercises.
Ich ni san chi go hok. Ige ige, Japan. Alors oui, je suis gaucher parce qu'il y a une vue à l'envers. Je suis gaucher sur le visuel, mais en fait, je suis droitier. Tout est inversé hein, chez moi. Alors Roland demande où on trouve ses tapis. Bah, il suffit de passer commande sur Sport Management System. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Where is Loretta, please? Loretta Cusack-Doyle is there or not, maybe? Where is she? Where is Ireland? Where is Japan? Please, Japan. Italia. Solidaritat. En Italia. Allez, on va redémarrer. Je pense qu'on a tous récupéré. Mais avant, on va prendre les pulsations. Comme on a commencé. Vous êtes prêts? Ça va durer 15 secondes. Prenez les pulsations ici, au niveau de la carotide, au niveau de l'avant-bras. Comme ça, vous me donnerez vos résultats. Attention, ça dure 15 secondes. 3, 2, 1. Ok. Vous multipliez par 4 et vous me donnez le résultat. Welcome, Mashbat, from Mongolia, General Secretary, from Judo, Mongolian Judo Federation. Hello. Thank you to watch me. You're welcome. Allez, on me donne le résultat. Ça fait travailler un petit peu les méninges aussi. Je vous attends. Gilbert, c'est bon. C'est public au moins. Ouais, Ghislaine, alors là, elle est tranquille. C'est la balade. Alors Myriam, mais tu viens d'arriver ou quoi, 60? Catherine, 60, les dames, faut pousser un peu plus, peut-être. Roland, 72, très bien. Mashbat, how many pulse, Mashbat, how many, please? Hervé, 84, Nadine, 80. Franck, combien? 96 Lydia, ben c'est bien, je sais que tu donnes tout à chaque fois, donc voilà, ça se confirme. On va redémarrer sur le deuxième. Deuxième passage. Get ready for Mongolia, get ready for Japan, get ready for Italia, get ready for Canada, and Switzerland, and Scotland with Loretta. 3, 2, 1, go! Allez! Maximum! Quick. Ok. Hop. De suite, on se met en gainage. Stay, like this. Stay, please. Ok, move. 10 centimeters. Les 10 derniers centimètres. Allez, on y va, on va chercher cheville flex. Ok, on passe sur les mains. On se met de suite en position de gainage. Stay like this, please. Now. Statique. Allez. It's possible to on the knee, no problem, like this, or like this. Allez, on accélère. Ok, on repart sur les jambes. Avec les navettes, on reste actif, we stay moving. We touch the floor, on va toucher le sol. Ok, on recommence sur les abdos, we restart on the abdominals,
static style like this, don't move. Okay, we turn on the left and the right. On travaille le bas-ventre, mesdames. Ok. Ici, we start now, static. On se met déjà en position. Allez. Vous vous mettez soit sur les genoux, soit sur les chevilles, sur les pieds. Ok, on relâche, on va repasser sur les jambes à nouveau avec le petit travail de coordination. Hop là. Donc ici, on reste actif. On augmente l'amplitude, la fréquence avec le sourire. Bon ça. Ok, ensuite on va passer aux abdos rameurs et on se met déjà directement quickly on the position state. Allez, on gagne, on y va, sans toucher les pieds au sol, don't touch the feet on the floor please, more quick. Ok, ici push-ups, we start now, static, on se met un gainage, on serre les fesses, on est prêt, et on va démarrer j'espère, on y va. On gagne bien les abdos, bien les fessiers, allez. Il reste la quatrième. Ichni san chi chi. One more. Jumping jack. Reste actif. Allez, on descend, on descend. Descend. Pas trop écarté. Pour bien descendre et relaxer. Ok. Allez, starfish, ici en croix, attention, il y a toujours deux appuis au sol, un appui, toujours. Allez, ok, le tapis, push-ups, multi-position, chaque fois on bouge une main et pas deux, une seule main, donc ici c'est 2, 3, allez, 3, 4, 5, 6, on recule, 7 à gauche, 8 à droite ou inversement pour vous, 9, 10, 11 à droite, 12 à gauche, 1 à droite, 2 à gauche. Ok, pour moi la droite et la gauche, et pour vous la gauche et la droite. Voilà, tranquillement, on récupère pour deux passages sur le prochain circuit. Maintenant que vous connaissez bien l'exercice, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Si c'est trop dur pour vous, vous ferez qu'un passage, c'est-à-dire les quatre blocs. Et ensuite, vous pouvez vous reposer un bloc et reprendre sur les trois derniers. Ou vous arrêtez là, comme vous voulez. Serviette propre, toujours deux. Petite rasade. Alors, après le circuit qui va venir, juste derrière, vous prendrez vos pulsations, ici et là, ou là, d'accord? Donc soit sur le poignet, soit au niveau des carotides.
Clara, 64 and 73. Is it the weighing or pulse? Please explain me. Vincent Tefo, champion de France junior, judoka, très bon judoka, Janet Matson, Emile, welcome. Il y a Walid aussi, Walid de Passeport pour l'emploi, très bon coach de yoga aussi. Myriam 88, Myriam 82, alors j'espère que c'était tout à l'heure, parce que si c'est après cet exercice-là, on va recommencer tout de suite. Vous devez avoir une fréquence de repos à 60, entre 60 et 70. Pour les sportifs, c'est entre 40 et 60. Moi, je dois être à 50 quelque chose. Et notre champion, c'est Franck. Franck, il est à 42, je crois. Secret professionnel. Désolé, Franck. Ok. On récupère doucement. On boit encore une deuxième petite gorgée. Vous voyez que maintenant, on a l'habitude et on absorbe bien ce type de circuit. On connaît les exercices, on n'a pas de questions à se poser. Et on est bien. Alors, on va redémarrer sur 8 blocs. 8 blocks now. 2 rings. Ok. On commence sur le même programme, demi-squat, très simple. Je vous rappelle que les exercices sont très simples parce que tout le monde n'est pas en capacité de faire des exercices complexes. Et puis une fois qu'on aura fini cette programmation, on attaquera autre chose. Dimanche, vous aurez une séance à base de escalier. Donc escalier, pas besoin d'avoir un escalier, il suffit d'une marche. Et on va travailler sur une marche. Un step, tout simplement. Et puis une chaise. Donc un escalier, une chaise, je pense que tout le monde a ça chez lui ou devant chez lui, sur le porche. Donc ça sera, j'ai pas dit une Porsche, je dis sur le porche. Et donc ça sera la thématique de dimanche. Je salue le chef Marx qui nous regarde. Bienvenue chef. Ok, on va démarrer dans une minute. Mais avant ça, prenez vos pulsations. Trois. 2, 1. Ok. Vous multipliez par 4. Donc je vois que vous n'êtes pas très haut en moyenne, donc vous pouvez vous donner un peu plus sur les exercices sans problème. La fréquence cardiaque maximum, c'est 220 pulsations, moins l'âge en théorie. Donc si vous avez 40 ans, ça fait 180 pulsations maxi. N'allez pas au maxi, mais vous pouvez monter un peu plus, entre allez, 120, 150 ou 140. Au-dessus de 100, en tout cas, allez fort. On va démarrer. 3, 2, 1, top, allez. Là, cette fois-ci, on en fait le maximum. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'ai raté la septième. On se met en place. Ici, de suite, en course interne ici. On maintient la position. Statique, dynamique. Allez, 2, 3, 4, 5. 6. L'intérêt, c'est le contrôle ici, c'est pas la fréquence. 6. Voilà, ça fait 1 par seconde, ce qui est bien. On se met en position de gainage, de suite. On est déjà en place. Soit sur les genoux, soit sur les chevilles. Il y en a pour tous les niveaux. Et on y va, et on accélère. On amortit bien à l'arrivée. C'est le concentrique, l'excentrique, pardon. Et on repousse en concentrique. Allez. Et on y va. Ok. C'est presque trop court.
On va passer aux lavettes. On est déjà en mobilité ici. Allez, on va toucher le sol et on accélère. On se sert des bras. Allez, comme la boxe. On regarde devant. Sur 2 mètres, c'est amplement suffisant. Ok. Abdos rotateurs, on se met déjà en position de gueulage. Malgré qu'on ait le cœur dans la bouche, un petit peu. Static position. Là. Start. Et on va tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On se met en position ici. Gainage de suite. 2, soit sur les chevilles. 2 possibilités. Allez, on prend bien le bassin. Ça va piquer au niveau des abdos là, hein, déjà. Messieurs, dames, n'oubliez pas de serrer les fesses. C'est ce qui permet de gagner la position. Coordination maintenant. On reste actif. Allez. Si c'est trop facile, vous augmentez la fréquence. Ok. On va passer au rameur. Ici, il y a tous les appareils, mais en virtuel. Donc on imagine le rameur, ici. Allez, on est déjà en gainage, c'est parti. Tends les jambes. Allez. Ok. Maintenant ça va être push-ups décalés. On est déjà en position de gainage. Ça va? Allez, hop là. Vous n'êtes pas obligé de descendre. Vous pouvez vous mettre sur les genoux aussi. Comme ça. Ok. Ensuite, on va passer au chez l'abdos, push-ups, jumping jack, starfish. Et ensuite, les multipositions. On reste actif, on y va. Allez, on descend, on accélère. C'est ça là. On reste actif. On va passer au starfish. Petite récup, ça fait pas de mal. Et là, cette fois-ci, on donne du rythme. On accélère, messieurs, dames. On va chercher la fameuse cheville. Et si c'est trop facile, on va chercher le talon, ici. Ok. Ok, allez. L'épreuve du tapis. Faites-vous la table de multiplication en même temps. Ça fera pas de mal, puisqu'il n'y a plus d'école. À ce moment, ça permet de rattraper le retard. Allez, 3, 4, 4 x 5, 20, 5 x 6, 30, 6 x 7, 42, 7 x 8, 56, 8 x 9. Ok, on va repartir sur le demi-squat. J'ai mes capacités intellectuelles qui ont diminué de moitié déjà. Je ne suis même pas arrivé à compter. Allez. Toujours avec la bonne position. Ok, on reste actif. On se prépare.
abdos, course interne, attention, ça va démarrer. On travaille le bas du ventre, principalement, stretching derrière. Ok, push-ups ici. On est déjà en position de gainage. On serre les fesses, mesdames. Là, on travaille un petit peu les fessiers en attendant. C'est trop facile. Allez, stretching, push-ups, stretching, push-ups, stretching, push-ups, stretching. Allez, on accélère. Quick. Ok. On est au cinquième. Cinquième. On va passer ici aux navettes. Bon, facile, hein, on a l'habitude. Hein. On reste mobile. Disponible. On reste alerte. Allez. Attention de ne pas glisser sur le tapis. Ok, on reste actif. On a fait les navettes, maintenant on va faire les abdos. Rotateur en place. Gainage. Allez, passeport pour l'emploi. Ouh. Passport for employment. Allez. Deux. On tourne bien le buste. La tête. On fixe le bas du ventre. On accélère. Ok. Bras main. Tac, 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 tac. On est déjà en position. Gainage. Pour ne pas perdre de temps, travaille un petit peu plus les fessiers. Allez. Ouh, on accélère. Ah, c'est dur. Tout dépend de la fréquence en fait. Tout dépend de la fréquence. Allez, on continue. On reste actif, on travaille la coordination. La salsa. Allez. Cuba libre. Salsa. C'est ça. On accélère. Ok, on reste actif. Position de rameur. Allez, en place. En place. Et on y va. On tend les jambes. Allez. Tchou. 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 Les épaules en haut. Coude en haut. Ok. Push-ups décalés. Sur les genoux ou sur les pieds. On se met en position. Gainage, c'est parti. Depuis 5 secondes. Allez. Ok. Jumping jack. Reste actif. Hop là. On perd des capacités, hein. Intellectuelles, coordination. Starfish, on donne tout. Tout sur le starfish. On adore les étoiles de mer, de la mer. Allez, on soulève, on lève le buste. Toujours deux contacts au sol. Every time two contacts on the floor, please. Quick, more. Ok, last one. Numbers. One, two. 12 or more.
Une même à chaque fois. On est 1 sur 2, on va faire 1, 8, 3, 4, 5 que je recule, 6 je recule, 7 à gauche, 8 à gauche, 9 à droite, 10 à gauche, 11, 12, on revient sur 1 et 2. Ok, bravo. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'en suis là. J'ai encore un an pour préparer Tokyo, ce qui devrait être largement suffisant. On prend les pulsations, messieurs, dames. En place, là. Prêt. 3, 2, 1. Ok. Moi je suis à 120, 124 avec la récup et on reprend dans une minute. Multipliez par 4 mes amis. Multipliez par 4. Olivier, tu peux pousser un peu plus. Vous devez être au minimum à 120 là tous. Gilbert 132, bravo Gilbert. C'est le professeur qui montre l'exemple, incroyable. 60 years old. 60 ans, Gilbert. 124, super. Bah alors, Gigi. Mais Gigi, t'as peut-être fait plus de gainage, donc c'est pas mal aussi. Roland, 120, 120, Myriam. Aurélien, 124. Super, Aurélien. La salle 3S, ça te parle? Olivier, 128. Lydia, 120. Ah. Myriam est descendue déjà à monter à 114. Ok, peut mieux faire. Catherine, enfin, qu'est-ce qui se passe? René, après, si vous n'êtes effectivement pas allé jusqu'au bout des 8, il est normal que vous ayez récupéré. 4 pour Anaïs, c'est pas mal. C'est un extraterrestre, Anaïs. La Suisse, où est la Suisse? Que dit la Suisse? Que dit l'Écosse? Where is Scotland, please? Loretta, how many, please? Clara, 104. Clara. Bon. Ok, Hervé, Nadine, 114. Nadine, sois prudente. Hervé, 124. Ok. Récupération pour tout le monde. Il est 12h. Il est 12h. 12h chez bouger chez vous et rester chez vous dans la salle 3S sportive, salle sportive sociale et solidaire. Je vous annonce que dans quelques mois je vais créer avec des partenaires une salle 3S sociale, sportive et solidaire pour les bénéfices du sport, l'éducation, la santé, le lien social et tout ce que ça peut procurer, ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec le Chisin Sport Truck, le premier terrain de sport mobile qui permet d'aller dans les écoles, dans les quartiers. Voilà, c'est le gymnase sans l'investissement. Donc c'est un gymnase où on utilise les espaces extérieurs parce qu'aujourd'hui le confinement, c'est pas forcément une très bonne chose a posteriori. Et donc on utilise la nature et les gens se parlent, échangent et communient pour une fois avec la nature. Voilà, donc je vous annonce l'ouverture de la salle 3S d'ici quelques mois, 2020-2021. Est-ce que c'est Cécile? Tu peux t'arrêter, Cécile. C'est un repos. Gilbert, pas de réanimation. C'est une question de Gilbert, 160 pour Katia. Katia, 160. Ok, good. Maybe too much. Alors, on va faire nos petits étirements. On va commencer par un étirement un peu différent. On va se mettre sur le dos. Ok. Je prends ma serviette fétiche. Teddy, si tu m'entends, Teddy, c'est ta serviette. On va se mettre dans cette position ici. On va croiser les jambes et on va venir avec le bras du même côté ici à l'intérieur
L'autre va passer à l'extérieur, c'est-à-dire on va s'occuper que de la jambe tendue. On va venir ici et on va rouler légèrement là, sur le dos, comme ça. Donc comme ça, on va laisser reposer le dos. C'est une bonne position pour bien se relâcher. Et on va prendre le tibia ici avec la main qui est passée à l'intérieur, vous voyez, là. Et on va rejoindre les deux mains ici. Et là, on est super confort. Et on étire en même temps le moyen fessier. Je parle sous le contrôle des médecins et kinés qui sont nos observateurs sous le contrôle et qui contrôlent ma séance, c'est bien. Non, vous n'êtes pas tout seul, c'est en cas d'urgence. Notre super professeur peut intervenir avec sa cape rouge. Voilà, donc on reste sur cette position-là, on relâche le dos, tout est relâché parce qu'on se met en appui avec les mains sur les jambes et donc ça crée un auto. Autoclavage, j'ai tendance à dire. Voilà. Ici, on va passer de l'autre côté. Même chose, on va à l'intérieur. Là, on a toujours un côté un peu plus raide que l'autre. Pour le coup, en ce qui me concerne, c'est celui-là. Voilà. Et on relâche tout. Tout. Alors, je vous avais dit qu'à l'effort, il fallait éviter de s'allonger. Là, on est sur une position sur le dos, mais on est encore actif, on n'est pas affalé. On a le buste qui est redressé, on est quand même un petit peu en activité. Donc, ce n'est pas contradictoire par rapport à ce que je vous avais dit avant. Par contre, si vous êtes vraiment en fin de mouvement, fin d'exercice avec le cardiomètre qui est au maxi, ne vous allongez pas. Marchez pour récupérer et étirez-vous debout. Ok ? Donc là, on va maintenant s'allonger complètement. Comme le starfish, mais en resserrant légèrement les hanches, on va ramener une jambe ici. On va prendre la main opposée à l'extérieur du genou et on va allonger le bras à l'opposé qui va faire un petit levier, un petit balancier ici, un contre-balancier. Alors, pour moi, c'est facile, hein. je prends le pied ici et je pourrais très bien avoir la main ici au sol sans appui. Et là, on ramène légèrement le genou. En étirant cette fois-ci la partie lombaire. Voilà. Et on ramène un petit peu plus vers le sol. Ne regardez pas du côté du genou. Regardez plutôt du côté du bras tendu à l'opposé, à 45 degrés. Vous voyez qu'ici, je ne m'étire pas. Ici, j'étire le bras aussi. Donc, il faut optimiser tout ce que vous faites. On n'a pas toujours le temps. Et avec nos ateliers de sport en entreprise, je peux vous dire qu'on essaye de tout mettre en 45 minutes. Pour que les exercices aient un vrai retour sur investissement. Donc on essaie de gagner toujours un petit peu. Donc là pareil, on ramène, on vient chercher avec le bras opposé. L'autre bras se met en contrebalancier de l'autre côté. Si possible avec le dos de la main qui touche le sol. Et là on ramène légèrement avec le pied relâché, la jambe fléchie. Et on inspire fort, on souffle fort pour bien détendre tout ce qui est côte flottante. This is a very good exercise for hips, for stretching ribs, for the back, and to very easy for the shoulder. It's very interesting for the shoulder too. Ok, on se remet sur le dos ici. Et là, on va croiser les mains sur les genoux. Alors, on ne va pas se mettre en parallèle ici. On va venir croiser comme ça pour relâcher complètement le dos. Donc là, on peut relâcher les jambes puisque ce sont les mains qui tiennent. Et on peut relâcher les bras parce que de toute façon, ils sont en extension. Donc, ils n'iront pas plus loin. Et dans cette position, on relâche le dos complètement. Alors, si vous n'en avez pas assez, vous pouvez encore travailler la ceinture abdominale. Voilà, ici on va ouvrir à l'extérieur carrément. On va tendre une jambe et fléchir l'autre jambe en ramenant vers soi. On fait pareil de l'autre côté. On se redresse et on finit par les fameux étirements en étoile avec ici double verrouillage. Du haut et du bassin. Voilà.
on se redresse. On gagne un petit peu par rapport à ce que vous avez fait au début. Quand on est chaud, on en profite pour bien descendre un peu plus. Gagner à chaque fois le plus gros indicateur. Le meilleur indicateur, c'est toujours la notion de progrès. Si à un moment donné, vous avez des choix à faire sur dans le cadre des RH, des ressources humaines, dites-vous bien que c'est comme la sélection des équipes de France. C'est celui qui a envie de progresser qui sera de toute façon meilleur que le super talent qu'on a sélectionné au départ. Pourquoi ? Parce qu'il y a une démarche de progrès. Et pour ces séances-là, c'est pareil. Si vous avez une démarche de progrès, vous allez vraiment progresser. On ramène le genou ici, bien écart. Voilà. Et puis on pousse légèrement vers l'arrière, doucement, sans forcer. Ok, dans la position, on tend une jambe, on fléchit l'autre. Et on regarde du côté opposé. Ici, comme ça, on va toucher le bassin au sol. Et on inverse ici. Ça, c'est un petit travail d'agilité aussi. On peut changer. Tac, tac. Voilà, on se redresse. Et là, on va faire le dos rond. Dans cette position, on relâche complètement le dos. Et on va, ici, rétroverser le bassin. Relâcher la tête. Faire le dos rond. Inspirer. En relâchant le dos, souffler ici. On expire, on relâche. Pareil, on souffle, on rétroverse le bassin. Ok. Maintenant, on continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Pareil de l'autre côté, ici, le bassin, the hip, in the center. We stretch adductors, ischio jambier, ischio. Ok, et on revient sur la dernière partie, ischio. Il faut que les hanches soient perpendiculaire, perpendiculaire, the leg is perpendicular with the hip. Et on descend les fesses en arrière ici. Et ensuite on finit avec la tête. Et ensuite on vient à l'avant. Là. Alors une séance de stretching, c'est une heure facile. Comme on fait chez l'entreprise Vantello, qui j'espère nous regarde aujourd'hui. Vantello, je vous fais un petit coucou de Sergi. Voilà, ce sont des séances d'une heure de stretching, que de stretching, qui permet de retrouver l'amplitude articulaire qu'on perd sur les positions assises. Nous sommes 6 heures par jour, voire plus, 8 heures ou même plus pour certains, 8 heures avec un écran et une position assise qui va avec. Donc je peux vous dire que c'est compliqué pour le dos, d'où les 85% d'arrêt de travail en lien avec les problèmes de dos, plus l'arthrose liée au manque d'amplitude articulaire. On va se mettre à genoux, bien se relâcher ici, et on va mobiliser le cou en fermant les yeux cette fois-ci. Ok, on se redresse, et là maintenant vous allez utilisez les bras ici pour inspirer au maximum et vous détendre en équilibre vers l'arrière. Et on relâche. Encore une fois. Et on relâche. Ok. Alors, I hope this cross-training session was easy for you, maybe interesting for you. I hope we could meet every Sunday, 11 o'clock, Monday, 11 o'clock, Wednesday, it's 11 o'clock and 12 o'clock, and yoga, and a Friday like this, and Sunday like this. J'espère vous retrouver donc tous les lundis, mercredis, vendredi, dimanche à 11h, avec une petite particularité pour le mercredi, où à 11h il y aura yoga, et moi je reprendrai la suite à midi avec du cross-training à nouveau. Si vous n'avez pas la possibilité, de toute façon, il y a une séance pour chaque jour.
Refaites les séances en replay, pardon. Vous avez aujourd'hui 7 à 8 séances, donc vous faites au fur et à mesure, par exemple le mardi, si vous n'avez pas de live, vous faites la 1, le jeudi la 2, et le samedi la 3, etc., etc. Aujourd'hui, vous êtes armé pour vous entretenir. Rappelez-vous une chose, quand vous faites du bien, vous faites du bien à l'État. Vous faites économiser en moyenne 250 euros par personne et par an à l'assurance maladie. Donc, n'hésitez pas à faire du sport, c'est une période qui est une opportunité. Et donc, c'est pour moi un vrai plaisir de partager ces bienfaits du sport en tant que convaincu, évidemment. À très bientôt, n'hésitez pas à partager, commenter, tout de suite échanger avec le professeur Versier éventuellement. Je suis à votre disposition si vous souhaitez mettre en place d'autres séances. Voilà, c'est l'occasion. Au revoir. Alors, je change d'endroit pour me tenir à votre disposition s'il y a des questions particulières. N'hésitez pas, je vous répondrai en direct. On fera peut-être à un moment donné un moment d'échange particulier, sans pratique, ou avec pratique, où on pourra refaire le jeu de questions-réponses. Mais je suis encore un petit peu à votre disposition. Donc, si vous avez des questions particulières, je reste encore un petit peu avec vous. Et je regarde en même temps les échanges que vous pouvez avoir avec les participants. Thank you, Majbat. Boukbat Majbat, secrétaire général de la Fédération mongole de judo. Je crois que l'Italie était là aussi. Le Japon, pour certains. Oui, n'hésitez pas à reprendre votre pouls pour vérifier à combien vous êtes au repos. Comme ça, vous aurez des bonnes habitudes et vous aurez surtout des repères qui vous permettront de voir un petit peu où vous en êtes sur des moments un peu particuliers. Voilà, c'est un repère comme un autre, mais c'est en tout cas le plus simple. Alors, l'idéal, c'est une VMA, pardon, vitesse maximale aérobie, une VO2 max. Mais on n'est pas là pour préparer les Jeux de Tokyo. On a encore un an. Donc on fera ça un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est juste du plaisir et de la relation humaine. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais fermer, sauf s'il y en a quelques-uns qui veulent intervenir. Très bon vendredi à toutes et à tous. Et à bientôt, surtout Lydia qui est à 25 pulsations minutes. Au revoir.